Salut à tous, c'est Nul, et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tout nouveau véhicule, puisque oui, on en a présenté pas mal, puisque bah, il y en a eu quand même 10 nouveaux, hein, j'ai envie de dire, donc ça fait en fait trop de véhicules à présenter. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu tous les autres véhicules bah, sur la chaîne de la salle, ils sont tous disponibles. Et la salle, de toute façon, les présentera aussi sur sa chaîne. Du coup, la salle, aujourd'hui on va présenter la... A ton avis, on présente quoi la salle? Bah oui, la Vapid La Dominator Dominator. GTT, pas GT, GTT, genre c'est 2T quoi. Donc vous allez ici, hop, dans South San Andreas, et ce véhicule coûte tout simplement la modique somme de 1 220 000. Ce qui est plutôt pas mal, et je crois que c'est... Non, j'allais dire non, mais non, non, en fait non, rien. Je voulais dire un truc, mais non. Et du coup, en fait, tout simplement, c'est la Ford Mustang, la salle, dans la vraie vie, tout simplement. Ah ouais, Donc, tout simplement. Ford Mustang 1969-1970. Alors d'ailleurs, moi, je vais la custom où? Où? Bah, au LS Auto, parce qu'on a plus de choix. Bah ouais, moi aussi, toujours. Ouais, ah, au LS Auto à l'autre. Ah, c'est ça, la salle. Il aime ta façon de bosser, d'accord. J'ai un appel en même temps, donc. D'accord. Easy money. You feel me? Ok, donc. C'est peut-être Ah ouais, d'accord. En fait, lui, et vous avez les plus à faire d'adhérence. Bon, vous avez vu sur la chaîne de la salle de la mine, du coup. Bon, je vais pas les mettre, je pense, hein, parce que c'est quand même catastrophique hein, la salle, les nouveaux pneus là. Waouh! Ah bah, c'est vraiment hein, pour faire que du drift. Que du drift, et encore, hein, je suis pas très satisfait de ces boosts. Hein. Non. Alors, bah écoute, j'y suis moi. Hop. À la fin, vous votez pour tout simplement qui a la meilleure. Donc, c'est une grosse cylindrée, voilà, hein, c'est affiché. Eh bien, c'est parti pour la customisation. A vous de voter à la fin de la vidéo qui a le plus beau véhicule. En tout cas, pour l'instant, pare-choc lisse, couleur 1. Ok, moteur. Bloc moteur chromé, filtre à air. Alors, on a pas mal de trucs. Bah ouais, lui, il est beau. Non, lui, il est plus beau. Ok, barre, bah, les barres, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Par contre, en ce moment, j'ai remarqué qu'ils aiment bien nous mettre des barres. Échangeur à eau, échappement. Alors, on a les échappements comme ça. Ouais, je vais mettre cela sur le côté, c'est pas mal. Elle. On a carbone couleur 2 ou de série. Je vais mettre cela, je pense. Calandre. Ah, alors, attendez, parce qu'il y avait le Dominator devant. Ah bah ouais. Celle-là, elle est bien. T'as vu, ils veulent enlever les... Le Dominator, c'est pas trop ouf. Hein. Alors, ça, protection de phare. Ouais, il l'enlève. En gros, t'as un choix où tu peux l'enlever, mais je préfère quand c'est écrit quand même. Un vraiment stylé. Et, après, ça dépend. Je vais mettre noir pour l'instant. On verra peut-être à la fin. Alors, capot. Alors, on a bombé. Bombé, c'est pas mal. Dragster, sabre turbo. Oh, ces trucs de sabre turbo. Ah, on va mettre celui-là en couleur 1. Ok. Ensuite, klaxon, bon, on s'en fout. Habitacle. Bah, comme d'habitude, on va mettre les derniers, quoi. Ok. Éclairage. Ah, voilà, c'est ça qu'on a de nouveau, les gars. Vous voyez, vous pouvez mettre les lumières en jaune, orange, vert. Ça, je les mettrai à la fin. Parce que bon, pour l'instant, je sais pas comment la mettre du coup. Waouh! Ah ouais! Tas de ferraille! Ah ouais, ils sont beaux ceux-là. Ah oui, mais lui il est magnifique. Alors personnellement, j'aime bien celui-là, mais on peut pas l'avoir. Du coup, dans ce qu'on a. Honnêtement. Donc, je vais mettre cela, je pense. On n'a pas trop de choix de motifs, la salle. Hein. Non, pas du tout. Bah, c'est les mêmes, quoi. Couleur 1, ok. Peinture, alors voilà, ça c'est important. Métallisé, alors.
Je pense que je vais la mettre en... Non, pas en rouge. Une Ford Mustang, là, ça, c'est quoi? C'est quoi les couleurs d'une Ford? C'est rouge ou bleu? Ah ouais. Rouge, bleu, ouais. Bah écoute, je vais la mettre en bleu. Ultra. Voilà. Comme ça, je pense qu'elle est pas mal. Couleur secondaire métallisée. Bleu ultra également. Alors, hop. Si vous voulez ultra, c'est en bas. Ouais, c'est en bas, 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 c'est en bas. Bleu ultra. On est pas mal, on est pas mal. On commence à voir des belles choses. Là, on va rester sur. Ok. Bas de caisse. Alors, comme ça, c'est pas mal, hein. En noir, j'aime bien. Ouais. Enfin, carbone, du coup. Alors, les ailerons, on va commencer par le haut. Ouais, je vais mettre ceux-là, c'est les nouveaux. Séparateur. Couleur carbone ou couleur. Non, bleu. Bleu, je pense. Bleu, c'est pas mal. Parcelle et dominateur, ouais, c'est bien. Suspension, compétition. Transmission de course. Turbo, on met. Les roues sont pas mal quand même. Parce que sur ce genre de roues. Non, je vais pas mettre des roues comme ça, je pense. Ça. Quoique, ça peut être, ça rend beau aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que celle-là, elles sont magnifiques quand même. T'as fini? Non. Ouais, je vais mettre celle-là. Et en couleur. En couleur. Faut pas mettre des trucs un peu trop trop ouf. Moi, je pense que je vais rester sur du noir. Ouais, c'est pas mal. Ça rappelle un peu le. Alors attendez, parce que là, du coup, ça c'est bon. Pneu, apparence des pneus. On va mettre. Donc, pas un petit rappel jaune. On va rester un peu sur du discret, genre blanc. Fumée de pneus, on met en bleu, du coup. Et pneus à l'épreuve des balles. On peut mettre les pneus, bah, les nouveaux pneus. Hein. Pneus tuning. Pneus drift, mais je conseille pas. Vitre en noir. Et bah écoute, j'ai presque fini la salle, je sais pas toi. Presque fini. Éclairage, phare xénon. On a bleu comme ça ou bleu. Je pense que bleu c'est bien. Par contre, c'est ultra cher, hein. 49 000 dollars. Putain. Couleur bleu. Ou bleu électrique, bleu, c'est bien. Je vais juste regarder les motifs si jamais je mets autre chose. Vous voyez, quand même, c'est pas mal aussi, hein. Après, ça fait vraiment véhicule ancien, quoi. Faut aimer, quoi. Faut aimer. Ouais, mais comme ça, elle est magnifique. Hein. Le dernier motif, comme ça, vite fait. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, allez. Comme ça fait vraiment véhicule vieillot. Donc là, j'hésite beaucoup. Hein. Je sais pas, la salle. T'as mis quoi comme motif? Ah, surprise! C'est quoi, les gars? On est en 1970. Allons en 1970, voilà. Bah écoute, j'ai fini. Elle Bravo! est magnifique. Ma voiture est tout simplement incroyable, les gars. N'hésitez pas à être un petit pouce bleu si vous kiffez. Hein, et elle fait un beau bruit. Hein. Ok, bah je suis sorti. Je sais pas, t'es où? J'arrive. I'm coming. Wow, ouais, il est beau, il est beau, il est beau. Ce véhicule est beau. T'es dedans? Vas-y, bah on se donne rendez-vous devant du coup. Vu que bah en fait il fait nuit donc ça sert à rien d'aller à la plage. Genre là devant il y a de la lumière, tu vois. Ah ouais, les lumières bleues c'est stylé par contre, hein. Regardez. En fait c'est vraiment bleu, vous avez le truc en bleu. Genre là. Je suis en train de viser le mur, le mur il est bleu la salle, c'est stylé, hein. C'est pas mal. On va tester la vitesse le temps que la salle finisse. Par contre, au niveau du démarrage, c'est pas ouf. Hein. Ouais, t'es où? Je sors. Ouais, elle a passé une grosse cylindrée après, donc c'est vrai que les grosses cylindrées, c'est généralement comme ça. Mais par contre, j'aime vraiment beaucoup les phares bleus. Regardez sur les voitures. Vous voyez, les voitures elles deviennent bleues. Sympa. Les lumières bleues sont sympas. Alors, je te vois de loin en bleu aussi, je crois, non?
Ah non, t'as mis des lumières bleues aussi. Ouais. On a la même. Attends, viens, viens, viens. Viens là. T'as mis quoi comme couleur noire? Mat, ouais. Ok. Bon bah écoutez, à vous de voter dans les commentaires qui est le plus beau. Entre bah la salle et moi. Je vais vous mettre une petite lumière quand même pour vous voyez. Voilà, donc ça c'est le mien. Bleu ancien qui rappelle les années 1950-70 quoi. Et celui de la salle, donc c'est du blanc et du noir. On est sur du basique. La salle, j'ai remarqué, t'aimes bien le blanc et le noir en ce moment. Mais Qu'est-ce c'est qui du t'arrive? mat. Ouais, mais t'aimes bien le blanc et le noir. Ah, mais c'est mat, c'est pas pareil. Comme ça a changé grand-chose. Légende est parti sur du noir. Carbone, je crois, non, Légende. Ouais, carbone, carbone, ouais. Carbone. Voilà, à vous de voter. 1 pour moi, 2 pour la salle. J'aime bien le tien. Franchement, j'aime bien le tien. Moi, je suis resté sur du bleu. T'sais. Bah, Mustang, c'est bleu-rouge. Donc, j'ai vraiment gardé l'esprit Mustang, j'ai envie de dire. Voilà. À vous de voter, les gars. En tout cas, on cesse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez plaisir à mettre un pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas qu'on est en live tous les soirs à 21h. Ciao, ciao.